Ce masque japonais efface les années sur votre visage et rend votre peau belle, douce et éclatante. Le continent asiatique est connu et reconnu pour être une inspiration au niveau de la médecine traditionnelle et des soins naturels pour le corps, en particulier dans le domaine de l'esthétique féminin. Les femmes asiatiques s'illustrent par leur peau laiteuse et sans imperfection. En effet, elles détiennent un secret de jouvence qui leur permet de rajeunir leur peau et de la rendre douce et éclatante. Ce secret se trouve dans les bienfaits du masque japonais à base de riz. Découvrez la recette. Recette du masque japonais pour le visage. Ingrédients: 3 cuillères à soupe de riz, 1 cuillère à soupe de lait, 1 cuillère à soupe de miel, 1 tasse d'eau. Préparation: commencez par faire cuire le riz dans une casserole avec l'eau. Une fois cuit, laissez refroidir pendant quelques minutes puis filtrez en conservant l'eau de cuisson. Enfin, mélangez le miel et le lait au riz jusqu'à obtenir une texture consistante. Utilisez cette préparation comme un masque en étalant le mélange à l'aide de mouvements circulaires. Laissez poser durant 10 à 15 minutes puis rincez avec l'eau de cuisson du riz. Effectuez ce masque une fois par semaine pour bénéficier de ses bienfaits. Le riz riche en antioxydants. Le riz contient un acide linoléique et du squalène qui purifie la peau en éliminant les toxines, les peaux mortes et en prévenant l'apparition des radicaux libres. Il favorise également la production naturelle de collagène qui est efficace pour lutter contre le vieillissement de la peau et protéger les cellules saines de l'organisme. En outre, l'eau de cuisson du riz hydrate en profondeur, prévient l'apparition des rides, raffermit la peau, exfolie la peau et élimine les taches. Le miel, source de minéraux et d'antioxydants. Le miel favorise la fixation des molécules d'eau, ce qui entraîne une hydratation en profondeur. De plus, il purifie la peau et retarde l'apparition du vieillissement cutané. Il contient également des propriétés bactériennes, ce qui favorise l'élimination de l'excès de sébum et la régénération cellulaire. Le lait, grâce à l'acide lactique qu'il contient, le lait exfolie la peau en profondeur, la purifie et enlève les peaux mortes. Il est aussi doté de propriétés hydratantes pour la peau et prévient son dessèchement. Conseil pour prévenir le vieillissement cutané. Pour prévenir le vieillissement cutané et entretenir la santé de notre peau, quelques habitudes sont à modifier. Afin de retarder le vieillissement cutané, vous devez prendre soin de votre peau en la nettoyant chaque jour car cette dernière subit énormément d'agressions extérieures. Veillez à vous démaquiller chaque soir et à réaliser une fois par semaine un soin de la peau comme un gommage ou un masque. En outre, veillez à bien l'hydrater à l'aide d'un peu d'huile d'amande douce par exemple. La santé passe en majeure partie par l'alimentation, il est donc utile de consommer les aliments qui luttent contre l'apparition des rides comme ceux qui sont riches en antioxydants. Ces aliments comme les épinards, les tomates, les haricots rouges et les betteraves par exemple favorisent la bonne santé des cellules. Les vitamines et les oméga-3 sont également recommandés. Privilégiez alors les poissons comme le maquereau, le saumon ou les sardines ainsi que diverses huiles végétales. Le corps est principalement composé d'eau donc il nécessite une hydratation quotidienne à hauteur d'1,5 litre d'eau par jour. L'eau est le meilleur drainant et permet d'évacuer les toxines présentes dans l'organisme. Pour consommer davantage d'eau et rester hydraté, pensez également aux tisanes et infusions. Un lien existe entre le tabagisme et le vieillissement cutané. En effet,
De nombreuses études ont montré que fumer augmente l'apparition des rides car le tabac provoque une oxydation des cellules et entrave la circulation sanguine et l'oxygénation de la peau. Restez vigilant lors d'exposition solaire. Bien que l'on soit tenté d'aller bronzer des heures durant, l'exposition au soleil doit se faire en respectant certaines conditions pour éviter que les UV n'attaquent les cellules de la peau. Veillez donc à vous exposer en mettant une protection solaire et à éviter l'exposition entre midi et 16 heures.